Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Roro14, et on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed pour la suite du walkthrough. Je vais commencer par, comme il y a beaucoup de mes abonnés qui ont laissé des commentaires sur les vidéos précédentes d'Assassin, que je retire l'armure de Brutus, parce que ça leur a plu trop Brotherhood. Il n'y a pas de souci, on va faire ça directement. Ça sert à ça aussi, les commentaires, s'il y a un truc qui vous plaît pas, ou si vous avez des petites remarques à faire, bah dites-le moi, il n'y a aucun souci. Donc on va reprendre le blanc de Massiaf. Attendez, je regarde vite fait. Une grille originale. Je crois que l'armure de base, je crois que c'est blanc de Massiaf. Il me semble. Je ne sais plus. On va voir celle-là. Il me semble que c'est celle-là, celle qu'on a au début. Toc. Sacoche moyenne de remède. Ah, c'est pas mal ça. Prendre ça, hop. Ce fut un honneur. Okay. Au revoir. Ça change pas. C'est quoi ce délire? Posséder déjà ces objets. Ça ne coûte rien de regarder. Ok, gros fail. Donc à mon avis, il faudra que je désactive l'armure en fait dans le menu du jeu, comme c'est un contenu additionnel qu'on a avec l'édition limitée de l'Animus. J'ai pas pensé à ça. Je vous ferai ça au prochain épisode. Hein, désolé, je pensais vous le faire tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Y a pas de souci pour ça. Donc, je vais aller chez le médecin. Je vais vous montrer en même temps comment on rénove une boutique. Donc là, la boutique est fermée. Vous dépensez 600 euros, on va dire. Vous voyez, revenu Constantinople toutes les 20 minutes, ça a augmenté en fait. Toutes les 20 minutes, j'aurai de l'argent en plus. Plus vous rénovez des shops, plus vous gagnez de l'argent toutes les 20 minutes. Là j'en ai rénové 2 sur 14. Donc lui il va me vendre quelque chose, ouais. On va racheter se soigner, c'est bon. Artillerie d'apothicaire. Remède. J'avais plus rien. Hop. Voilà. Amélioration pour les enfoirés. Ouais, ça j'en ai pas trop d'utilité, j'ai pas dépensé tout mon fric. Si vous ne sentez plus votre bras, revenez. Je vais retirer vite fait le repère que j'avais mis pour aller à la chez le teinturier, enfin chez le tailleur. Et on va tout de suite. C'est quoi ça? Début mémoire générique. On va aller là. On va continuer l'histoire ensemble. Tac. Là, il y a une librairie que je peux rénover, mais je vais pas tout rénover, j'ai plus beaucoup d'argent. Désolé pour le retard du walkthrough, j'ai voulu sortir d'autres vidéos entre temps. Pour les gens qui sont pas trop fans de Assassin's Creed. Vous inquiétez pas, la vidéo de campagne Cellero va arriver. Enfin les vidéos sur la campagne va arriver. Alors, je sais pas si je la ferai avec Thibaut, c'est suivant lui en fait. Donc je pense que je vais commencer fin de semaine. Touchez ce tapis, appréciez sa qualité. Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse. Je ne suis pas marié. Ah, oh, quel homme chanceux. Venez le toucher. Les affaires ont été bonnes. Je n'ai rien vendu. Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés. Vous connaissez Tarek Barletti, leur capitaine? Oui, il doit être dans les environs. Un homme arrogant, mais... Oh, quelle injure, monsieur. Je ne le vends pas à moins de 200 akshay. C'est ça ou rien? Quand je le verrai, je lui demanderai pour les tapis. Vous êtes dur en affaires, étranger. Entendons-nous pour 180? 180 akshay, et nous nous quittons, bons amis. Je suis pas ton pote, moi. Non,
va essayer de synchroniser à 100%. Donc c'est par là, je crois. Ah ouais. Ils sont. C'est quoi ce délire? Ils sont au-dessus? Ah. D'accord. Mais tout de suite, c'est mieux. Faut le suivre, discret. Hop. Et c'est infiltration. Ce déménagement est une bonne chose. Tu as entendu les dernières nouvelles? Ah oui, aussi je pense, je tenais à confirmer. Pour ceux qui m'ont envoyé les intros. Comment ça s'appelle? Le tirage au sort, entre guillemets, là, ma décision sera prise fin de semaine. Donc j'en ai reçu quelques-unes déjà. Donc je vous dirai ça fin de semaine. J'ai déjà des petites préférences. Après je vais les changer. Je vais en changer pas tous les jours, mais genre tous les mois ou tous les deux mois je changerai, je lancerai un petit concours si ça intéresse les gens. Je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Dégagez le passage. Enfin, se barrer parce que l'autre il me voit. Oh, c'est mort. Oh putain. Ça commence bien. Ah, moi je fais. Dans mes vidéos, il y a obligatoirement une désynchronisation. Sinon, c'est pas drôle. Oups. Valet de pâte, voleur. Garde. Je t'apporterai ma recette à la mosquée demain. Tu verras. De toutes les créations de Mehmet, je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Dégagez le passage. Un homme bon et habile de ses mains. Son aide ne sera pas du assez traîné. Il y a un problème, commandant? C'est bon, vous avez vu. Politique commerciale. Je ne pourrai pas venir demain. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Oh, apparemment, c'est un des meilleurs produits de la région. Si nos fournisseurs n'arrivent plus à tenir les délais, et puis ce petit voyage nous fera le plus grand bien. Une bombe sonore. Avant, on ne recevait pas plus d'une commande par mois. Et aujourd'hui, on devra trouver de nouveaux apprentis pour nous aider. Il faut dire que la qualité de notre soie est très réputée. Et ça, il ferait payer personne. La bombe en plastique, là. Hop, 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 hop. Tu me bats, putain. Wow, putain, il revient là, stop aider. On n'a aucun moment de répit depuis que l'auberge a ouvert. Il va revenir ou pas? Si ça avait été comme ça pendant que les gardes byzantins étaient là. Putain, figé, je dois faire une diversion, mais là ça marche pas. Dieu bénisse les janissaires! Suisse-boule. C'est une réunion importante. Veille à ce que je ne sois pas suivi.
Ah, fais chier, j'ai plus de bombes. C'est quoi ça? Où ma fragmente? Ah, fais chier. Eh merde, putain. Putain, fais chier, pourtant j'étais bon à Splinter Cell. J'avais plus de bombes de diversion en fait. Bon, je vais pas me faire chier à vouloir synchroniser. Je pensais en avoir plus, je pensais en avoir 3, mais non en fait. Bon, il bouge ou quoi? Ah, on va les recruter, je suis con. Hop. Les putes, ça sert. Les meilleures choses ont une fin. Peut-être que ton commerce durera plus. Non, c'est là. Wow, 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 wow. Alors lui, c'est un gars qui essaye de vous tuer à chaque fois. C'est une espèce de comme de milice en fait. Qui veut absolument vous tuer. Alors pourquoi, je ne sais pas. On va recruter celle-là. 150 euros pour 4 filles. Pas cher. Il va où? Mais respect au glorieux janissaire. Alors je pense pas que dans cette vidéo on aura le temps de d'aller rechercher une clé de la bibliothèque d'Altaïr. On va avancer dans l'histoire, je vais pas vous faire une vidéo très longue, je vais vous faire 25 minutes 30 maxi. Parce que sinon je vous dis c'est un max de boulot pour moi de faire cette vidéo là parce que. Parce que comme je vous dis, l'upload, enfin la vitesse à laquelle j'upload est très 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 lente et je me suis renseigné, c'est impossible que je puisse là où j'habite avoir une meilleure connexion parce que le réseau a été construit pour que avoir une connexion de merde entre guillemets. Alors, à moins de m'acheter un appartement en ville juste pour faire mes vidéos et jouer, ce serait ça la solution, mais bon. Après, si quelqu'un veut bien me donner l'argent pour que je m'offre pour un appartement, y'a aucun souci, hein. Contactez-moi. Où est-on là? Putain, ils sont débiles quoi. Je ne peux pas rester longtemps, mon ami. Voilà, je dois m'occuper. Je reviendrai demain. Et si tu n'étais pas dépassé? Non, dans le Bosphore. Dégagez le passage! Ouais, on va laisser courir lui. J'ai d'autres choses à foutre. Putain. Je sais plus si on va devoir. C'est chaud à votre avis de tuer ces deux-là ou pas? Allez, on va tenter. Oh putain, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, c'est... Viens là, toi. Oh, il est en route, fille. Vas-y, mec. Oh. Tu vas mourir. Il m'a arraché de la tête, lui. Il me casse les couilles, lui. Oh, bah, faut le. Putain, c'est une salope. Je vais t'arracher le foie et te le faire avaler. Pique, hein.
Ah, crève. Ils sont relous les janissaires. On n'a pas vu. La chance. On peut m'expliquer pourquoi j'ai pas mes... Ah ok. Oh oh oh, j'ai pas vu, tu m'as pas vu. Ah, c'est relou, ils nous font aller à trois. Toi, toujours moi. Déjà, à l'école, c'est moi que les enfants persécutaient. Ça y est. Qu'as-tu appris? Manuel accepte de te rencontrer, Tariq. Il t'attend près de la porte de l'arsenal. Ce vieux sournois est impatient. Viens. Bon, voilà, on a atteint le checkpoint. Bon, j'ai pas fait synchronisation totale. Parce que j'avais pas fait cette grenade en fait. Bon, allez. On va continuer avec les repères principaux. Bah, la prochaine vidéo, on ira s'occuper de la clé de Bibliothèque d'Altaïr. Je vais essayer de faire une vidéo sur deux en fait. Une vidéo pour la bibliothèque, pour les clés. Et une vidéo pour le reste de l'histoire en fait. Bon, ça se rejoint de temps en temps, mais bon. Ah, c'est pas bon, mais c'est juste là, c'est cool. Comptez si tu veux, Tariq, mais l'argent restera avec moi tant que je n'aurai pas vu la cargaison et évalué sa qualité. Entendu. Tu es un homme avisé, Manuel. Sans cynisme, la confiance est dérisoire. Le compte est bon, Tariq. Tout est là. Et maintenant, tu pourras accéder à l'arsenal. Quand tu l'auras vérifié, la cargaison te sera livrée là où tu le souhaites. Tes hommes sont prêts à voyager. Absolument. Polycala, je te fournirai une carte qui te guidera bon port. Sommes-nous ici pour la même raison? Un de mes hommes aurait vu une cargaison d'armes entrer dans l'arsenal. Cela m'a intrigué. Des armes? J'aimerais les voir de mes propres yeux. À moins de tuer tout le monde, je ne vois pas comment entrer. Nous t'avons prévenu deux fois. Aucun marchand aux abords de l'arsenal. Débarrassez-moi de ça. Hypocrite! Si vos hommes n'achetaient pas mes fruits, je les vendrais ailleurs! Vous êtes pire que les Byzantins, sale traître! Ah! Surveille ta langue, vermine! Même en tant que... Insolent. Les pauvres, eux, sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ça pourrait servir notre cause. Ah, donc voilà. On va devoir recruter... comment ça s'appelle? Soudoyer les... Les maîtres... je sais plus comment ça s'appelle. Pas les maîtres chanteurs, les... Feindre la solidarité pour servir... Les héros. C'est-à-dire les gens qui parlent aux citoyens. Et ça marchera. Et magnifique sultan. Pour qu'ils disent qui. Citoyens ouais. De Constantinople, les milliards de Byzantins, les miliciens demandent l'aide des citoyens. Vous tous, citoyens de l'Empire, vous, citoyens, une campagne de recyclage. Donc là, on a recruté, on a soudoyé tout le monde. Donc là, les gens vont s'amasser. Et c'est un peu les meutes. Faut tuer le feu et tout. Cette porte ne résistera pas longtemps. Le peuple te rend un grand service, Ethier. Assure-toi que personne ne soit blessé. Donc là, on va devoir se battre pour aider le peuple. On a deux.
Oui, viens. Oh oui. Oh oui. Bien fait. Ah ouais, c'est un peu géant. Arrêtez-le! Continue! 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 Vous ne méritez pas de servir Bayer! Dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier. Non, il est encore mieux, je crois. Ah non, il en reste. Oui, oui, oui. Attends, j'ai appelé les assassins pour m'aider. Oh lui, j'ai fait un commando. Oh le vieux fait. Commando épée. Merde. Allez, Janissa. Je vais les attaquer dans le dos parce que c'est des vrais salopes. Ah, les assassins, c'est des PGM. Calme-toi, toi. Bien fait. Je file sur le champ. Continue. Je suis sérieux quand j'attaque dans le. Continue. Ah ouais, il roule. Merci. Alors, excusez-moi pour ce petit blanc. Donc on accepte la mission. Donc là on va devoir espionner une personne, il me semble. Voilà. Alors, je sais plus trop où il faut aller. Il y a la piste par terre. C'est un peu chiant ça, mais. Ah, attendez juste deux secondes. Excusez-moi. Je l'ai déjà vu quelque part. Excusez-moi pour le petit la petite coupure. Il y a un peu de bruit chez moi. Tu n'iras pas loin. Bon, là, il y a tout l'arsenal qui est sur moi, je vais essayer de me barrer parce que sinon ça va prendre trop de temps. Allez, grimpe, 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 grimpe. Grimpe, on va me jeter les cailloux. Putain, il me jette des cailloux les salles. Là, c'est bien relou. Allez, il saute là. Wow, 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 ils vont se calmer. Là. C'est quoi là? Oh là, je suis pas en train de manger. Oh les salopes. Enfin, je répare là. Mon armure. Tac.
Si elle se planquait, ce serait bien, mais il n'y a pas de cachet. Ah. 20 ans dans cette ville à jouer la comédie. Et voilà enfin qu'arrive mon heure. Lorsque les Palaiologos retrouveront leur trône, n'oublie pas qui t'aura aidé à le reprendre. Rassure-toi, mon ami. Jamais je ne trahirai un homme aussi influent que toi. Mais fais preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en deux jours. Je suis satisfait. Conduis-moi mon bateau. Si un seul est endommagé, il n'est pas question que je paie. Merde. Oh, il avait pas vu, tu sais. Tu ne t'échapperas pas. Ils sont relous, ces janissaires. Je sais plus comment. Je suis un PG, monsieur. Ah, il est mort. Ah, même pas encore. Sérieux. Allez, attaque-moi, toi. Je vais te mettre ta misère. Ils sont bien relous, ceux-là. Ils esquivent et tout. Là. Ils sont bien relous. Là, mange ça. Pas plutôt de lancer. Mais. Échappez-vous de ce secteur. Ok, c'est parti. Il faut s'échapper. Je passe à côté, mais même pas vu cet abruti. Le voilà. Allez, on va nager. Attrapez-le. Ah bah il prend pas pour les JO, ça c'est sûr. Fais une terre de la DLC. J'ai pas bien compris. Un petit plot dans l'eau, ce que j'ai vu. On va me cramer. Ah non, c'est les roues. Pourquoi ils me disent localiser la cible? Pas bien compris. Pas bien localisé de cible. En bref, c'est pas. Alors. Donc voilà, on a fini la mission. Et ben, je pense que je vais terminer sur cette mission. Parce que vous voyez, après les prochaines missions, c'est les livres. Les livres qui vont nous mener à la prochaine clé. La prochaine clé la bibliothèque d'Altaïr. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. La prochaine, je vous fais directement toute la séquence pour les clés. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez un commentaire. Mettez-la en favori si ça vous a plu. Et mettez un petit j'aime parce que franchement, je fais pas mal de boulot à la faire. Alors, je fais pas de montage ou rien, mais. Déjà rien que pour l'upload, ça me prend un max de temps, donc rien que pour ça, franchement, mettez un petit j'aime. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, donc les prochaines vidéos, je pense que ça va être sur Senro en fin de semaine. Ouais, en fin de semaine, genre vendredi, vendredi ou samedi. Ouais, je vais vous faire ça. Alors je ferai pas de walkthrough sur l'histoire de Senro, parce que là c'est vraiment très très long. C'est comme si je faisais un walkthrough sur GTA, donc je vais juste vous faire genre des petites vidéos délire quand il y a des missions délire. Donc voilà,
Attendez, on va peut-être. Je crois que c'est. On va chez Miss Gornichon. Ouais, nickel. Je crois qu'on va lui donner un bouquin. Salute. J'aurai bientôt retrouvé deux autres livres. L'un près de Topkapi et l'autre dans le quartier de Bayezid. Bayezid d'abord. Topkapi ne nous donnera rien. Ah, si. Que penses-tu donc de ceci? Oh, Ezio. Incredibile. Une ancienne reliure copte, encore en bon état. Fabuleux. Cette transcription doit dater du 3e siècle, je dirais. Sophia, que s'est-il passé ici? Oh, ça arrive une ou deux fois par an. Des voleurs qui s'imaginent trouver de l'argent. J'en garde très peu ici. Mais cette fois, ils sont partis avec un portrait non sans valeur. Il va me manquer. Continue à travailler. Je me charge de le récupérer. Ezio, à l'heure qu'il est, le voleur a dû disparaître. S'il est venu pour de l'argent et qu'il a pris un tableau, il essaiera de le vendre, sans doute dans les environs. Eh bien, si tu le retrouves dans les prochaines heures, rejoins-moi près de l'aqueduc. J'ai quelques courses à y faire. Donc, je crois qu'on va le faire. Ouais, on va faire ça. Vite fait. Je pensais qu'on lui rendait juste le livre, mais vu qu'on va commencer une mission, si je m'arrête là et que je quitte la partie, ça va. Je sais pas ce que ça va faire. Allez, on va la faire. Même s'il y a 5-10 minutes de plus. Je vais pas m'arrêter en plein milieu. Alors, faut que je retrouve l'entrée du marché couvert. Ouais, hop. Là, ok. Pousse-toi, merci. Donc, t'es du monde aujourd'hui. T'es seul ou quoi? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ouais, ok. On va direct pêcher. Qu'en as-tu fait, ladro? À vous! Je n'ai rien fait! Vous ne pouvez rien prouver! Bon, toi, tu reprends le volet. Peu m'importe, je te frapperai jusqu'à ce que tu parles. J'ai trouvé ce tableau enfin! Quelqu'un me l'a donné! Tu es le plus misérable. Kickboxing, boum! Mon Dieu, aidez-moi! Tu as bien mieux à faire. Oh, les double claques! Peu m'importe comment tu l'as trouvé, dis-moi juste où il est. Je l'ai vendu à un marchand du bazar. Il faut bien que je mange. À l'avenir, nourris-toi d'une autre manière, Canalia. Alors, où est-ce qu'il est ce vendeur? J'ai un tableau à vendre. Si cela vous intéresse, un ravissant portrait. Regardez, on la croirait vivante. Sa beauté vous éblouira. On va essayer de faire diversion. Hein. C'est quoi? Bon, faut que je trappe. Je sais pas ce que c'est. Bonjour. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Un assassin! Arrêtez-le! Méthode forte. Petit coup de pistolet, boum. Ouais. Ça, on dépense pas d'argent. Dépenser du fric non plus. On va aller rejoindre la Miss Cornichon. Forcément, je peux pas passer au-dessus de la grille. Oh là, c'est pas où là, tu peux sauter quand même. En même temps, t'es plutôt jeune. Oh, j'ai atterri sur Sophia. Ah, même pas. C'est assez réussi, qu'en dis-tu, Ezio? Je préfère l'original.
Buffone. C'était un cadeau de mon père pour mon 28e anniversaire. Je suis restée assise pour Albrecht Dürer pendant une semaine. M'imagines-tu immobile pendant 7 jours à ne rien faire? Ça, non. Una tortura. Quand même traité de bouffon, hein. J'aurais pas aimé. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. Grazie. Ezio, de quoi s'agit-il? Dis-moi. Tu n'es pas un érudit, c'est plus qu'évident. Es-tu au service de l'Église? Pas de l'Église, non. Disons que je suis une sorte de professeur. Je t'expliquerai un jour, Sophia. En fait, je tue des gens pour la bonne cause. Mais il faut pas le dire. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est la fin. Oui, c'est sûr, il a pas pu me repérer, je lui ai foutu une cartouche. Enfin bref. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime, petit pouce vert. Et on se retrouve bientôt pour les épisodes. 2-3 épisodes sur Senru. Donc voilà, et j'aurai une annonce à faire plus tard. Pour l'instant, c'est pas sûr. Donc, enfin, ça, c'est sûr, mais je vais pas vous en dire plus. Ça laisse suspense. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, parce que là on est midi. Donc voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.